Salut à tous, c'est Anonymat pour Polygaming.fr. Et donc aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter la 1.4.2 qui est sortie le 25 octobre. Malheureusement, nous sommes le 26 car le jeudi 25, j'avais trop de choses à faire pour pouvoir la présenter. Donc j'ai fait ça sous forme de map à peu près préparée. Donc vous voyez que j'avais fait un petit truc marrant. Donc. Pour cette vidéo, j'ai pris le mode Too Many Items, vite fait, donc qui marche très bien sur Mac. J'ai patché mon jeu avec MC Patcher, je vous mettrai les liens de Too Many Items, de MC Patcher et de la mise à jour 1.4.2 sur la description. Voilà, je me suis enchanté une plume un peu fousse-rodin hein, de Skyrim, enfin comme Skyrim. J'ai présenté la mise à jour. Comme ça, assez loin. Donc ça reprend à peu près tout ce qu'on a dit. Ça reprend à peu près tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Si vous voulez plus de détails ou voir les autres vidéos, vous avez toute la playlist de mage qui est disponible, donc mise à jour. Hein. Le beacon block, hein, et non pas bacon, je vous afficherai le petit petite affiche de Mojang qu'ils ont fait. Exclusivement pour ça, pour ceux qui se rappellent pas comment ça marche, plus vous faites une pyramide grande avec les blocs de métal, de métaux, vous pouvez vous enchanter vous-même en quelque sorte. Petit à petit, vous mettez un. Comment ça s'appelle? Un minerai. Alors attendez, commence à faire nuit. Tac. Vous mettez un minerai, enfin un lingot. Et vous pouvez avoir accès jusqu'à donc la plus grande pyramide et voir le sort de régénération. Ensuite, ici on voit les cochons. C'était pour vous montrer quelque chose, mais qu'on verra plus tard. Donc en fait, ils répondent aux carottes maintenant. Vous voyez ça. Et l'utilité de ça maintenant, enfin l'utilité de la selle. On va dire enfin une utilité. Attendez. Voilà, j'ouvre la porte. Donc vous pouvez vous conduire le truc. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous avez tous les. Comment ça s'appelle? Tous les animaux. Alors les vaches, c'est comme avant, elles se reproduisent en faisant avec le foin. Ça change pour les poules. C'est dorénavant avec des graines. Ce sera les carottes pour les cochons. Mais ça restera le foin pour les moutons. Ensuite, vous avez les petites têtes, ce qui est dans la décoration, les nouveaux petits murets. Attendez, je vais juste baisser le son. Tac. 5. Vous avez les petits pots avec toutes les fleurs qu'on peut mettre dedans, les petites têtes. Vous voyez, vous pouvez surveiller vos champs, c'est génial. Les tableaux et aussi la possibilité de mettre des troncs d'arbres comme ceci. Les tableaux, j'en ai laissé 3 de libre parce qu'on va faire juste un petit craft. Je l'ai préparé avec le papier. Hop. Maintenant, vous prenez on va dire la photographie d'une carte en quelque sorte. Hein. Voilà. Voilà, ça en a mis 2. Bon. Le problème, c'est que bon, bah, c'est une flat map. Hein. Vous aurez quand même la carte de tout le bordel que j'ai fait. Voilà, ça va être la même. Et vous pouvez dézoomer hein, en faisant comme ceci, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et là, vous avez fait un dézoom. Vous voyez que la carte est un peu plus petite. Tac. Et après, si vous assemblez toutes les cartes de chaque chunk, tout ça, bah, vous pouvez faire. Un truc, je sais pas, enfin voilà. Tac. Ensuite, on va poser ça. Hop, je vais poser ce dont je n'ai plus besoin. Je vais voir au passage la nouvelle texture de l'armure en cuir. Attendez, c'est vraiment chiant ce bruit. La nouvelle texture de l'armure en cuir. Que maintenant, nous pouvons colorer. Hein. Voilà. Hop, je fais n'importe quoi, hein, je la colore à peu près. Voilà. Tac, sachant qu'on peut faire des mélanges, il y a plein de façons différentes de faire quelque chose.
Voilà, ça ressemble à rien, on est content quand même. Je pose les teintes. Ensuite, nous passons un peu à l'agriculture. Donc attendez, j'ai un peu cheaté ma plume. Vous allez comprendre pourquoi si j'arrive à la voir. Mais c'est bizarre, pourquoi il est bugué? Ah, pars-toi. Voilà, il a disparu. Voilà, ça aussi. Donc, je remets le son quand même parce que c'est frustrant, je trouve. Donc, l'agriculture, je disais, maintenant nous avons accès à des carottes, des patates. Donc, quand vous avez une patate hein, et que vous avez un truc de libre, vous cliquez dessus. Bon, ça n'a pas changé. C'est pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc, les carottes. Voilà, donc vous plantez les carottes, vous attendez comme d'habitude. Hein. Ensuite, donc maintenant, on pourra cuire les patates. On pourra faire des carottes d'or qui nous permettront à faire des potions de vision nocturne ou d'invisibilité, je sais plus. Possibilité aussi de faire de la tarte à la citrouille. Donc pour les crafts, hein, vous pouvez vous débrouiller, aller sur le wiki ou aller sur la page que je vous ai donnée. Donc ensuite, maintenant côté forge, donc nous avons l'enclume donc qui permet, donc comme c'est passé, enfin marqué avec les traductions un peu bizarres, réparer et renommer. Donc vous avez vu donc dans l'inventaire, nous avons trois stades normal, un peu endommagé, très endommagé. Donc petit à petit, je crois qu'au bout de 10 fois environ, elle se détruit. Donc vous pouvez les renommer, ça vous coûtera de l'XP. Donc là, j'avais prévu d'invoquer le Wither Boss. Donc je sens que ça va être un désastre, du coup je vais le faire à la fin. Là, bon, elles ont des pop, mais un des nouveaux mobs de la scary, enfin plutôt du côté scary de l'update, les witches. Enfin, les witches, vous avez vu même le petit pixel qui fait la verrue du nez, c'est très caricaturé. Donc quand vous la tapez, hein, c'est pas compliqué. Voilà, elle vous jette des potions dessus. Comme une malade mentale d'ailleurs. Tac, tiens, méchant. Donc en fait, sur la plume que j'ai mis là, j'ai juste augmenté le, comment ça s'appelle, le recul. Donc voilà, c'est gros bordel. Là, ils se combattent du coup. Ici, normalement, il y avait encore le nouveau mob, donc les chauves-souris. Tac. Donc, vous voyez ce que ça donne, hein. Bon, eux, fousse-roue, tard. Non, ça va marcher. Da. Da. Voilà, donc, je vais vous faire l'exemple. Bon, il est mort aussi. Mais, quand vous êtes en hardcore, il y a l'infection des zombies. Attention. Allez, vas-y, mon grand. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Hein. Des fois, il crève. Mais en principe, voilà. D'accord. Et il arrive même que, vous voyez, il a à la main quelque chose. Je posais du stuff à n'importe quoi. Genre ça. Hop, tac. Ça. Est-ce que j'ai mis un casque? Ah mince. Bon, je vais essayer quelque chose. Tac, voilà. Alors, je sais pas s'il peut prendre un orc. Pas grave. Tac, je mets n'importe quoi, voilà. Et on va essayer donc de le taper pour attirer son attention. Et normalement, si c'est pas buggé. Et si je prends pas le stuff comme je viens de faire. Voilà, donc il met l'armure. Hein, ils sont un peu plus intelligents. Non, l'arc il prend pas, normal. Donc voilà, je lui donne une épée, je peux même le stuffer. Hein, voilà. Un zombie qui a une tête de truc, vous pouvez faire n'importe quoi. Hein, tac, voilà. Voilà. Pas stylé comme ça notre zombie, on sait même plus que c'est un zombie pratiquement. Tais-toi maintenant. Bon, maintenant, cela dit, il va être un peu plus fort, hein, quand même. Mais bon, on gagne quand même son stuff. Il peut arriver que des fois, ils aient du stuff avec eux. Donc, du Nether. Donc, donc, vous avez vu que le chargement est beaucoup plus rapide. On bug un peu moins, même si c'est pas complètement ça. Il y a un nouveau mob. D'ailleurs, je crois qu'en fait, on va invoquer le Wither ici. Donc normalement il y a un nouveau squelette dans les donjons et je n'en ai pas trouvé, c'est assez long d'en trouver, vous pouvez aller voir sur Google, sur d'autres vidéos comment les trouver. Donc ensuite vous pouvez crafter le boss en quelque sorte comme les golems de fer. Hein. Il vous faut
donc de la du gravier, enfin de la slow sand, soul sand, sorry, qui se trouve dans les alentours. Je vous laisse apprécier la musique en attendant. Tac, il est là. Ça peut des dames. Et il vous suffit de faire ça, ça, pas ça, ça, et de lui foutre tout simplement. Alors attendez, je vais juste me créer une épée de cheaté, donc avec le, avec ça, tac, hop. Je la cheat un peu. Alors je vais faire ça en accéléré. Accéléré. Tac, bon, j'ai mis un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Tac, on va la create. Normalement, on l'a pas. Tac, voilà. Notre épée trop cheatée qui prend la moitié de l'écran. Je trouve ça juste marrant. Donc, bien sûr que en créative. Hein. Et on va commencer. Tac, donc le voilà, il est complètement. Donc au début, donc c'est le Wither, le desséchant en quelque sorte. Donc au début il reprend de la vie et là ça commence. Donc il détruit tout, c'est un malade mental le mec. Bon. Bon, je vais énormément un peu cheater. Attendez, alors excusez-moi du lag. Excusez-moi beaucoup du lag. On va vite le buter. Donc vous voyez quand il perd la moitié de sa vie, ben, il a une espèce d'armure qui lui régène sa vie. Et tac, donc quand on le bute. D'ailleurs il fait des bruits à ses armes. Hein. Normalement ça loot. La Wither Star. Tac, l'étoile du Nether. Nether Star, excusez-moi. Donc, comment on sort? You. Puis la musique qui me troll derrière. Oh là 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 là. Ah, c'est là. Bon, c'est les vacances, hein. Moi, je perso, je suis en vacances. C'est génial. Donc, alors attendez avant que je reparte, un petit nouveau bloc, c'est le command block que vous trouverez à l'idée en give 137. Donc, comme il s'appelle, comme il s'indique, vous pouvez créer des commandes et à l'aide de la redstone, tac les taper et on se retrouve au début. Donc, parce que j'écris les coordonnées du TP. Donc, sur ceci, on va se laisser. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Enfin, vous pouvez la commenter pour donner votre avis. La présenter à vos potes si ça vous a plu, ou alors si vous avez pas, si y a des problèmes, n'hésitez pas à le dire aussi, donc comme ça pour améliorer mes vidéos. Si vous voulez regarder le reste des mises à jour que j'ai fait en vidéo, vous pouvez aller voir la playlist mage que je mettrai aussi dans la description. Sinon, donc je vais vous dire à plus et bonnes vacances. C'était Anonymat. Il fait noir. À plus!